Bonjour tout le monde, nous sommes dans l'épisode numéro 12. Il est temps de continuer la visite du manoir hanté puisque maintenant j'ai Excalibur. Donc c'est possible. Et je commence tout de suite avec ce coffre. Ah, la boussole. C'est vrai, j'ai pas encore la boussole. Ah. Ouais, c'est bien, je pourrais plus me transformer en Oni Link. Alors, ça c'est une grande salle que j'avais finie, je pense pas qu'il y ait autre chose à faire. Après, on va essayer par là. Peut-être que si je te tue, ça ouvrirait la porte? Oui! Ça y est, j'ai à nouveau 999 rubis. Ok, alors, on continue. Il y a des torches. On peut supposer qu'il faudra les allumer. Ah. Ouais. J'enlève les bottes de Pégase, si vous permettez. Après tout, on n'est pas pressé, hein. Aïe eux. Là, j'ai peut-être trouvé l'énergie magique, voilà, je m'en doutais. Ah, bon, c'est pas grave. Et j'ai entendu la porte qui s'est ouverte. Stalfos. Et je remets en route les bottes de Pégase. Alors. Y'a rien derrière ces statues. Et non. Une clé, d'accord. Et je reviens au début. Où est-ce qu'il faut aller après avec cette clé? Ah. Ah non, c'est pas là. Je sais plus. Quand même aller voir par ici. Je tourne en rond. Voilà, j'ai tourné en rond. Ensuite, on va aller voir par là. Ah, je crois que c'était là-haut. Ouais. Rien de caché là-dessous. Je peux pas passer là. Par contre, je peux aller là.
Et ensuite là. Là, je peux pas passer. Bon, on continue. Oups. Oula. J'ai failli tomber. Il y avait quelque chose qui bloquait là. Ah, d'accord. Je sais pas comment c'est possible que je sois passé. Les collisions. Les collisions avec les trous sont un peu bizarres, je pense. Enfin, tant mieux, hein. Parce qu'en plus, là, je suis tout en haut. Si je tombe, peut-être que je tombe à l'étage inférieur, je sais pas. Qu'est-ce que vous faire après? Oui, c'est ça, il faut tomber dans celle du milieu, je pense. Alors, est-ce que ça marche si je tombe ici? Plutôt là. Voilà, je suis en plein milieu, donc là, ça devrait marcher. Ah, ouais. D'accord. Ah, il y a encore tout ça, c'est vrai. Je me disais, ça y est, je vais arriver au boss. En fait, non, c'est encore long. Tiens. Eh, mais il faut combien de coups à celui-là? Tout de suite aller voir ça. Ah, raté. Ah ah, bon choix. Oula. Ouh, je sens que ça va être compliqué ça. Ah, il faut que je fasse allumer les torches. Bon, ça va, en fait, c'est pas grand-chose à côté de ce qu'il y a dans le temple du feu de Zelda Return of the Hylian. Ah, j'ai pas tout allumé encore? Quoi? Elle s'est éteinte celle-ci ou quoi? Ou alors je me suis trompé. Pourquoi il a... Pourquoi ça marche pas? Ok, c'est bon. J'avais dû croire qu'elle était allumée alors qu'en fait non. Ok, donc je reviens ici. Maintenant, il faut que j'essaie de me souvenir où est-ce qu'il y avait des portes verrouillées. Bien sûr, ça, j'arrive jamais à... Ah bah, ça doit être là. Ah oui, on a là. Ok, donc là j'ai le choix entre deux portes. Et aussi je peux aller par là. Je pense qu'il faut d'abord aller par là en fait. Parce que quelque chose me dit que j'obtiendrai la deuxième clé. Et voilà! Mmh.
Ah oui, fallait que j'aille là-bas d'abord en fait. Et voilà. On va y arriver, vous inquiétez pas. Alors. La clé manquante. Et la clé du boss. Donc là, on est bon, on peut aller voir le boss. Oups. Ah, un vampire dans une maison hantée. C'est horrible. T'as pas l'air très dur à tuer quand même. Et voilà. Mais qui es-tu donc? Tu as vaincu le vampire et tu es venu me sauver, merci infiniment. Mon père est le maire de la ville. Va le voir, je suis sûr qu'il te récompensera. Hein? Je me souvenais plus que le maire de la ville avait perdu sa fille. Ok. Allons chercher cette récompense. Sans plus attendre. Oups, 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 oups. Où suis-je? Je suis là. Donc le maire de la ville, il est... Non, il est là. Ma fille m'a tout raconté, je te dois énormément. Écoute attentivement, je vais t'apprendre un chant... Ah, cool! Qui se transmet d'un... Transmet dans ma famille de génération en génération l'hymne du vide. Tiré de Majora's Mask, bien sûr. Ok, je sais exactement où je veux aller. Laissez-moi passer. Par là. L'hymne du vide. Laissez-moi faire de la musique en paix. Oh, trop bien! Yes! Les gants d'or! Alors déjà dans les montagnes, j'en avais besoin des gants à un moment. Alors, où est-ce que c'était exactement déjà? Ou alors c'est pas là?
C'est plus le bâton de feu ou la baguette de feu qui me faut. Ok, alors en tout cas, ça y est, je me souviens plus. Ah oui, je peux aller dans le désert et je peux aussi aller par là voir le nouveau village. Village de Mido, si je me souviens bien, plein ouest. Je pense que j'irai visiter ça après. Où est-ce que c'était déjà que j'avais besoin des gants améliorés pour obtenir un fragment de cœur? D'ailleurs, combien j'ai de fragments de cœur? 3! Ah, raison de plus! Où est-ce que c'était? Ah, ah non, c'est pas là. Si, ça y est, je me souviens. Sauf que je peux pas y aller par là, en fait. Ah, on peut pas remonter là. Zut. Je dois faire tout le tour par là. Bon, j'ai pas forcément pris le chemin le plus court, mais on s'en fiche. Donc voilà, dans la forêt du début, il y a un endroit où j'ai besoin des gants améliorés, les gants d'or. C'est juste ici. Haha. Et voilà le fragment de cœur. Ok, donc maintenant je peux visiter soit le désert, soit le village de Mido. J'ai envie d'aller au village de Mido. Parce que je me souviens pas de grand chose de ce jeu, excepté que dans le désert je me faisais tuer très rapidement par les lions. Et que c'était chiant. Ah, mais il m'a fait peur aussi celui-là. Pourquoi il y a des boss qui traînent dans la plaine? Ça fait super bizarre, ça fait super peur. Et puis ce fragment de cœur, il m'énerve toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut jouer l'hymne du vide? J'en ai pas la moindre idée. Ah, c'est quand même plus facile avec Excalibur. Je pense que Excalibur est aussi puissante que l'épée d'Oni Link qu'on avait quand on était transformé en Oni Link. Tiens, on peut aller là maintenant. Ah, ça sert à rien.
C'est la musique de la forêt Kokiri. Et là, y a quoi? Oh bah y a rien non plus. On peut aller là, par exemple. Montagne du destin. Je pense que j'irai voir ça après. D'abord, essayons de visiter ce village. Ah, c'est joli. C'est joli, mais c'est pas très accueillant. Notre village accueille rarement des visiteurs, cela vient peut-être du fait que nous avons bloqué l'entrée. Non, sans blague. You don't say. J'ai tout ce qu'il faut comme potion. Par contre, je veux... Ah non! Ah oui, c'est vrai, j'ai utilisé. Par contre, je voudrais bien le troisième flacon. Je suppose qu'il y en a trois quand on regarde l'inventaire. Ça a l'air assez clair que le troisième, il est là. D'ailleurs, pour l'instant, c'est le même inventaire que... Ah non, c'est pas le même inventaire que Zelda Return of the Hylian. Parce qu'on a au moins l'ocarina en plus. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment on va à gauche là? Tiens, je peux redescendre comme ça. Ah, peut-être par là. Ah bah non. Comment je fais pour aller là? Faut que j'arrive par en bas, faut que je sois en bas en fait. Voilà. Donc faut que je sois là. Sauf que je peux pas. Donc peut-être par la droite. Donc par là, donc par là, donc là. Donc depuis là on peut. Ok, j'ai trouvé. Pas tout simple. Mais ça devrait marcher. Rien de caché là. Ah, ça marche pas. Mais si, il est assez long, regardez bien. Ah ouais, oula. C'est vraiment au pixel près. Et après, par là. Haha, et ben non, avec moi, tu peux pas être tranquille. Apparemment, on peut rien faire de spécial avec lui. Oui, je cherche le masque des esprits. Non, je ne sais pas où il se trouve, mais je sais comment l'utiliser. Reviens me voir si tu le trouves et je pourrai t'aider. Ah, d'accord. Le problème, c'est que quand je le trouverai, j'aurai complètement oublié que c'est ici qu'il faut revenir. Je suis sûr que je vais oublier. Je peux rien faire avec lui? Genre l'embêter en jouant de la musique, vu qu'il veut être tranquille? Non. Eh ben, c'est pas grave. On s'en va. Montagne du destin. Je vais faire ça dans le prochain épisode. Visiter la suite des montagnes. Ok. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et rendez-vous bientôt pour la suite. Ciao.